mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça sera un room tour. Donc si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà fait mon room tour. Un room tour de la chambre de Nour. Un room tour aussi de Cyrine, mais dans l'ancienne maison. Mais maintenant que ça fait déjà un an que j'ai déménagé, il est temps de vous faire le room tour de la nouvelle chambre de Cyrine. J'espère qu'à la fin de la vidéo, vous aurez des idées qui pourront peut-être vous aider à rajouter un petit quelque chose dans la chambre de vos enfants ou qui pourront vous donner des idées de rangement, etc. Et accrochez-vous bien, il n'y aura pas qu'un room tour de la chambre, il y aura aussi un petit tour dans l'endroit où les filles s'amusent, donc surtout Cyrine, on va dire c'est la salle de jeu de Cyrine. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on commence tout de suite. Alors pour commencer, cette plaque ici, c'est son papa qui lui a offert, c'était une kermesse. Et voilà, il lui a fait là-bas, donc voilà, on lui a mis sa plaque ici avec son prénom. Et on l'a collé avec un scotch double face sur la porte. Et après, bienvenue dans le monde de Cyrine. Donc quand on rentre, voilà, on voit très bien que la chambre est beaucoup plus grande que son ancienne chambre dans l'ancienne maison là où on était. Donc elle est vraiment vraiment beaucoup plus grande. Alors on l'a peint, c'est une couleur, on va dire c'est un mauve lilas qui tend un petit peu vers le rose. C'est pas du rose, c'est pas du mauve, mais c'est entre les deux on va dire. Alors les cadres ici, je vous en ai déjà parlé. Voilà. C'est des cadres qui viennent de chez Ikea. Par contre, les toiles qui se trouvent à l'intérieur, c'est des toiles que j'ai commandées sur AliExpress. J'avais commandé 3 pour Cyrine et 3 pour Nour. J'ai déjà partagé avec vous les liens dans la vidéo précédente, mais si vous voulez, je vous remettrai les liens en barre d'informations. Ensuite, juste sous les cadres, on a un petit meuble qu'on a acheté à Ikea pour mettre ses livres. Donc pour le moment, voilà, ça commence à se remplir assez vite, on va dire. Elle aime beaucoup lire, ma fille. Surtout le soir, elle adore un livre avant de dormir. Donc ce que j'ai mis ici, j'ai mis tout ce qui est peinture. Je vais vous montrer de près. Donc ça, c'est une petite corbeille que j'ai achetée à Action. Et je lui ai mis toutes ces peintures. Donc ça, c'est Action. Les peintures là, c'est Ikea. Et puis voilà. Ici, on a des petites lettres alphabétiques arabes et chiffres que son papy lui a offert. Donc c'est mon père qui lui a offert. C'est aimanté. Elle a sa tirelire qui est juste ici. Voilà, ici j'ai mis un petit livre qui ne rentrait pas en bas. Et puis ça, c'est... ça c'est pour mettre ses cartes, ses jeux de cartes pour voilà, quand on veut jouer une petite partie de cartes. Ensuite, ici, c'est ses livres. Donc, de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui est contes, histoires, etc. Et ici, j'ai mis tous les livres de mots, voilà, pour apprendre les imagiers, les livres de mots, etc. Et en bas... j'ai mis tout ce qui est coloriage de ce côté, livre d'activité, voilà, les stickers, etc. Ici, c'est ses coffrets jeux. Elle a des coffrets Montessori, des trucs pour apprendre l'arabe, des cartes qui mange qui ou Misty Gris, etc. Et par ici, j'ai mis tout ce qui est puzzle en fait. Ensuite, juste à côté, il y a son petit bureau. On a préféré mettre le bureau ici parce que il y a la lumière, voilà, il y a la fenêtre juste à côté. Et c'est très agréable quand on a un bureau à côté de la fenêtre. Comme ça, on a de la lumière. Donc voilà, ça c'est... normalement, c'est des sous-couverts pour la cuisine, mais moi, je lui ai mis ici parce qu'elle aimait bien. Donc là, c'est son petit peignoir. Comme ça, le matin, si elle se réveille et qu'il fait froid, elle met son peignoir. Donc le bureau avec la chaise vient de chez Ikea aussi. On va pas tarder à les changer. Parce que voilà, ça c'est quelque chose pour les tout petits. On attend peut-être l'année prochaine ou dans quelques mois, on va changer le temps que Nour puisse se mettre dessus. Donc on va donner ça à Nour et on achètera un autre pour Cyrine. Un vrai bureau de grande fille quoi. Mais pour le moment, elle se contente de ça. Comme ça, si elle fait des tâches avec la peinture, ce n'est pas grave. Donc ici, elle a tous ses
crayon, feutre, pinceau, etc. pour colorier. Et puis là, je lui ai mis son calendrier. Donc, je vais vous montrer le calendrier. Donc, c'est un calendrier que j'ai acheté à Auxibulle. Et ça lui permet de mettre le jour, la date, le mois, l'année, la saison, la météo et son humeur avec les activités qu'elle a fait la journée. Voilà, ça lui apprend un petit peu les chiffres, etc., les saisons. C'est vraiment très bien. Et vous voyez, il est assez grand. Et puis là, on a un petit coffre, voilà, que ma mère lui a offert. Et dans ce coffre, elle range tout ce qu'elle réalise en fait. Ses dessins, ses peintures, ce qu'elle fait à l'école aussi, quand on lui donne, voilà, elle range tout ça ici. Juste au-dessus, on a mis une petite étagère, donc il y a quelques photos d'elle, là, c'est quand elle était toute bébé, et là, c'est un cadre qu'on a réalisé avec des coquillages qu'on a rassemblés quand on était à Knokke, c'est une plage dans le nord de la Belgique. Donc on a ramassé des coquillages, puis elle a fait un petit cadre comme ça avec sa photo à la plage. Et à côté, c'est son humidificateur. Puis j'ai collé ces petits papillons qu'elle avait dans son ancienne chambre. Donc on ne voulait pas les jeter. On a trouvé que c'était joli de les coller ici sur l'étagère. Et les rideaux, je les ai achetés quand j'étais en Algérie. Pareil avec le lustre. Donc c'est ces vieux rideaux avec son vieux lustre. On ne les a pas forcément changés. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, alors le lit aussi pareil avec la table de nuit vient de chez Ikea. Donc pourquoi Ikea? En fait, tout simplement parce que on sait très bien que quand elle grandira un petit peu, on est obligé de changer. Donc on ne voulait pas investir dans quelque chose qui coûte très très cher. Donc voilà. Mais franchement, c'est pas mal non plus. Donc une petite table de nuit, un réveil que j'ai acheté aussi à Auxibulle. Et franchement, le réveil, il est juste topissime, ça permet aux enfants d'apprendre l'heure. Donc je vous le montre de plus près. Voilà. Voilà, ici c'est une veilleuse. C'est ma maman qui lui a offert quand on était en Algérie. On l'a acheté là-bas. Voilà. Ça c'est sa petite poupée préférée. Donc moi j'avais acheté trois poupées en fait à Action. C'est des danseuses de ballet. Ma fille adore la danse classique. Donc voilà, elle a choisi en couleur mauve en fonction de sa chambre. Rose clair, je l'ai mis dans la chambre de Nour. Et puis un rose bonbon, on l'a donné à leur cousine Fayrouz. Voilà. Donc le lit, c'est un lit extensible en fait. On l'avait acheté parce que elle avait une petite chambre avant. Et du coup, on l'avait rétréci. Mais là, on l'a carrément ouvert. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Tout ça, tout ce que vous voyez, ça vient de chez Primark. Et c'est topissime, vous voyez, le coussin est très joli. Pareil pour la housse-couette. Ici, donc on a mis des cadres de courant, comme j'ai mis pour la chambre de Nour. Vous voyez, je les ai fait moi-même. Et puis les cadres viennent de chez Ikea, ça coûte deux fois rien. Et de ce côté-là, elle a une petite coiffeuse. Oui, parce que ma fille est une vraie princesse. Donc voilà, ça c'est sa coiffeuse. C'est une coiffeuse d'une marque allemande, Kidcraft, si je ne me trompe pas. Donc ça coûte dans les environs de 200 €, je dirais. Voilà, je l'ai commandée sur un site. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations et l'a reçue à la maison. Donc voilà, on l'a montée, etc. Et ce qui est bien, c'est que le miroir, donc vous voyez, c'est un miroir adapté aux enfants. Donc ça ne se casse pas. Voilà. Elle a ses petits produits de beauté, la mise ici, voilà son parfum, petit coffret, sa petite couronne, des mouchoirs, etc. Ici, elle range tout ce qui est des chouchous pour ses cheveux et ainsi de suite. Et puis là, il y a son armoire. L'armoire aussi vient de chez Ikea, donc je vais vous montrer. Donc en haut, j'ai rangé tous ses draps. Donc ici, c'est ses vêtements. Voilà, j'essaie d'enlever les vêtements d'été et de mettre que les vêtements d'hiver parce que autrement, rien va rentrer ici. En bas, c'est tout ce qui est chaussures. Oui, elle a plus de chaussures que moi. C'est un truc de dingue. Elle adore les chaussures. Et puis, tout en bas, c'est tout ce qui est sac pour le sport, sac à dos pour l'école, petit sac à main, etc. Ou encore son petit cabas pour la piscine. Donc en bas, j'ai mis tout ce qui est pantalon avec ceinture. Et ici, c'est tout ce qui est t-shirt, pull, petit gilet, survêtement, etc.
Ici, c'est tout ce qui est pour la maison, donc pyjama ou encore des sous-pulls, des bustiers, des t-shirts demi-manches, etc. Et en haut, voilà, je range les vêtements d'été et les vêtements pour les occasions spéciales. Voilà, je fais de mon mieux. Donc ici, on a accroché un petit truc qu'on nous donne à la banque pour, voilà, pour qu'elle se mesure, pour qu'elle voit si elle a vraiment grandi. Donc je sais que la question que vous vous posez, où sont les jouets? Donc moi, les jouets, c'est pas dans les chambres, c'est pas dans le salon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, là on est dans une véranda. Et en fait, j'ai profité pour l'utiliser comme salle de jeu. Parce que c'est une véranda vraiment. C'est vraiment très agréable de se retrouver ici. Puisque voilà, ça donne sur le jardin de ces deux côtés. Là, j'ai mis ces rideaux-là parce que en fait, il y avait du soleil. Comme ça m'évite. Voilà, ça évite que ça permet que l'image ressorte mieux. Donc j'ai mis les rideaux parce qu'en fait le soleil tourne de ce côté-là en milieu de journée et en fin de journée de ce côté-là. Voilà. Le matin, non, il n'y a pas de soleil de ce côté. Donc je vous disais, c'est une véranda que j'ai utilisée pour que j'ai profité pour mettre le parc de ma fille avec tous ses jouets, etc. C'est vraiment le bazar ici. Donc ça m'évite. En fait, de retrouver tout ce bazar dans mon salon ou dans une autre chambre. Je vous montre. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir ici que c'est mon salon. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez un salon tour, vous me le dites. Je serais ravie de vous le faire. Et juste ici, on se retrouve dans la véranda. Vous voyez, donc c'est une porte coulissante en verre. Et de ce côté-là, on a ma cuisine. Donc vous voyez, j'ai la cuisine ici qui donne aussi sur la véranda. Je peux ouvrir la porte. Donc du coup, ça me permet de garder un œil sur les enfants. C'est bien isolé en fait. Et l'hiver aussi, c'est chauffé. Donc vous pouvez voir qu'il y a les radiateurs ici. Donc les enfants peuvent jouer ici toute l'année et ça donne sur le jardin. Donc on a une belle vue, on a beaucoup de lumière. Et puis je peux garder un œil sur les enfants, que ce soit à partir du jardin, de la cuisine ou encore du salon. Donc ici j'ai mis tous ces jouets. Il y a une question que vous me posez souvent, c'est à propos du parc là que j'ai pour ma fille. Donc c'est un parc que j'ai acheté sur Amazon, c'est une marque allemande. Je sais qu'ils n'ont plus ce modèle là, mais ils ont d'autres modèles qui ressemblent vachement à celui-là. Et franchement, il est génial, il se nettoie facilement, vous pouvez même le laver à grand eau. Vous pouvez tout ranger à l'intérieur, donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mis tout ce qui est gros jouets, je l'ai caché ici. Ici, elle a un petit bac avec voilà, toutes ses Barbie, etc. Ici, c'est ses Lego, des Polly Pocket ici, ses dominos, enfin, un peu le bazar. Voilà, ça c'est un lion qu'elle a acheté à Ikea, elle a adoré. Elle a acheté toute la famille en fait. Une cuisine Ikea et puis ici j'ai tout ce qui est pâte à modeler, autres petits jouets. Ce petit bac là c'est pour Nour. Voilà, pour le moment elle ne nécessite pas beaucoup de choses. Ici c'est son tableau de chez Ikea pareil. Ici j'ai rangé des tapis. Comme ça, si elle veut s'asseoir dans le jardin ou s'asseoir ici, donc je prends les tapis que j'ai achetés à Primark. C'est des tapis spéciaux pique-nique, ils sont vraiment nickel. Donc je mets le tapis ici, elle peut s'amuser comme elle veut. Et là, c'est une maison poupée que son papa lui a offert quand Nour était venue. Donc on lui a dit que c'était Nour qui lui a ramené, bien sûr. Et elle était super contente. Voilà. Donc c'est une maison poupée qu'on a achetée sur le site de showroom privé. Pour environ 170 euros si je ne me trompe pas, mais la qualité est topissime, c'est du bois. Même les meubles, vous voyez, pour les Barbie, c'est en bois. Voilà, le seul truc qui est énervant avec cette maison de poupée, c'est que ça me prend du temps quand je fais de la poussière. Voilà, mais par contre, elles ont tout, les poupées, elles ont leur voiture qui est dans le garage, il y a même une piscine avec jardin, etc., que j'ai pas sorti ici. Il y a l'ascenseur, enfin, il y a tout là, quoi. Vous pouvez voir. Donc ici, je range les jouets. C'est clair qu'elle n'est pas obligée de jouer uniquement ici. Elle peut prendre des affaires d'ici, aller dans le salon, s'amuser. Mais après, il faut bien sûr ramasser et tout ranger ici le soir. Il faut que le soir, le salon soit nickel pour que le lendemain matin, quand on se réveille, voilà, on est tranquille, le salon est propre.
Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un, je sais pas, kitchen tour ou salon tour. On verra ça plus tard. Allez, bisous.